Ewan McGregor et le couturier français Jean-Paul Gaultier feront partie des 9 membres du jury du prochain Festival de Cannes. En mai prochain, ils auront pour mission d'élire le meilleur film sélectionné sur la croisette et de remettre la très prisée Palme d'Or. Aux États-Unis, Beyoncé sacrée plus jolie femme de 2012 par le magazine People. La jeune femme âgée de 30 ans qui vient d'accueillir son premier enfant avec Jay-Z en juillet dernier succède à Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Nicole Kidman ou encore Jennifer Lopez qui avait justement été élue l'année dernière. Côté réalisateur, c'est Peter Jackson qui s'illustre cette semaine. Le réalisateur a dévoilé 10 minutes de son prochain film, Le Hobbit, à la convention du cinéma de Las Vegas. Ce 4e opus de la trilogie du Seigneur des Anneaux devrait sortir en salle en décembre prochain. Pour ce film, le réalisateur néo-zélandais a tourné avec une caméra captant 48 images par seconde, c'est-à-dire 2 fois plus que pour les films traditionnels. Le résultat, une qualité incroyable, plus proche de la réalité. Enfin, nous partons pour la Bosnie où Angelina Jolie a été sacrée citoyenne d'honneur de la ville de Sarajevo. Une reconnaissance qui fait suite à son film Au pays du sang et du miel, qui selon les autorités de la ville a su préserver toute la vérité sur la guerre en Bosnie-Herzégovine.